Bonjour, bonjour, chères futures infirmières et infirmiers diplômés d'État. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous corriger le sujet de la SVT du concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux édition 2017-2018. Mon nom est M. Djiko Komlambi Beni. Je suis enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée et dans les concours, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de votre vidéo. Chaque année, j'accompagne les candidats qui vont participer au concours ENAM et de sages-femmes dans un programme spécial. Si tu es intéressé par mon programme, je vais épingler le lien de mon groupe WhatsApp dans les commentaires. Veuillez cliquer sur ce lien qui est épinglé dans les commentaires pour rejoindre mon groupe WhatsApp et prendre part au programme. Et nous commençons maintenant. Donc, nous allons parcourir le sujet dans l'ensemble et après, maintenant, on va commencer par les traiter. Donc, ici, on voit bien concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux, année 2017-2018. Épreuve de biologie, durée 2 heures, coefficient 3. Donc, c'est la SVT qui a le coefficient le plus élevé. Donc, vous devez vraiment faire attention à la matière. Partie A. 1. Le document 1 représente une coupe schématique réalisée dans un organe. De quel organe s'agit-il? Sur le prochain slide, on va découvrir le document 1. 2. Annoter le document 1 en reprenant uniquement les lettres et les chiffres. 3A. Quelle est l'origine de l'élément A du document 1? B. Comment évolue-t-il? Envisager tous les cas. 4. L'ovocyte 1 est libéré dans la cavité folliculaire peu de temps avant l'ovulation par dissociation des cellules qui l'entourent. Dans cet ovocyte, la première division de la méiose, qui était bloquée en prophase, reprend alors pour donner deux cellules. Faites un schéma annoté de l'anaphase de cette première division en supposant que la garantie chromosomique est 2n égale à 4. Donc, voici le document 1 dont parle le sujet dans la partie A. 5. On veut déterminer quelques conditions qui permettent la reprise de la méiose. A. Espérant de culture in vitro. L'ovocyte 1, cultivé isolement, reprend sa méiose. Deuxième tiret. Cultivé en contact avec des cellules folliculaires, il reste bloqué en prophase. Cultivé avec les cellules de la tête, il reprend sa méiose. Quels renseignements peut-on tirer de l'analyse de ces expériences? B. Expérience effectuée sur l'animal. On empêche l'élévation du taux de LH. Les cellules entourant l'ovocyte 1 ne se dissocient pas. L'ovocyte reste bloqué en prophase. En quoi cette expérience, jointe au précédent, permettait de comprendre comment est déclenchée la reprise de la méiose de l'ovocyte. Partie B, 6 points. 3 neurones A, B et C établissent chacun une synapse par leurs boutons terminaux avec un même neurone D. Des stimulations S d'intensité constante sont portées sur les neurones A,
S A B S B C S C A E B S A plus S B A S C S A plus S C. Un oscilloscope permet d'enregistrer et de visualiser l'activité électrique du neurone D. Le document 2 illustre le montage de A et les arrangements de B. Voilà le document 2 qu'on a ici. Donc on a de A et de B ici. Alors, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo, sur j'aime sur la vidéo pour nous envoyer. Si vous avez aimé, si vous avez aimé ce que je suis en train de faire, vraiment payez, mettre un j'aime et ça nous va tout droit au cœur. Donc, 1A, analyser et interpréter les quatre enregistrements. B, déduisez-en le rôle de chacun des boutons synaptiques A, B et C par rapport à D et le rôle de ce dernier. 2, quelles propriétés du neurone postsynaptique a-t-on pu observer avec les enregistrements 2, 3 et 4? 3. La stimulation SA plus SB donne une réponse. A. Comment appelle-t-on cette réponse? L'interpréter brièvement. B. Quel est son rôle dans le fonctionnement des synapses? 3. À l'aide d'une micro-pipette, on injecte dans la fente synaptique entre C et D une substance chimique. À la suite de cette injection, on enregistre au niveau du neurone D un tracé identique à l'enregistrement 4 obtenu avec SC. Voilà. Quel rôle joue cette substance? Partie C, qui est la dernière partie. Un couple sain a trois enfants. Un garçon sain, Pierre. Un garçon atteint d'une maladie se manifestant par des troubles respiratoires et vasculaires, Paul. Et une fille aussi atteinte de la même maladie, Pauline. Les trois enfants se marient à l'âge adulte. L'épouse de Pierre est atteinte de la maladie. Ils ont un garçon manifestant la maladie. Le mari de Pauline est sain, ainsi que l'épouse de Paul. On précise que le mari de Pauline a un frère qui est atteint de la maladie. 1. Construisez l'arbre généalogique de cette famille. 2. Quel est responsable de la maladie? Est-il récessif ou dominant? 3. Montrer si l'allèle est autosomal ou lié au sexe par un raisonnement logique. 4. Donner les génotypes des deux parents de Paul. 5. L'enfant malade de Pierre se marie avec une femme hétérozygote pour la maladie considérée. Donner les probabilités pour que le couple ait un garçon sain, une fille saine, un garçon malade, une fille malade. Donc voilà l'ensemble des trois parties du sujet et nous allons maintenant entamer la partie correction et la partie corrigée. Partie A. Le document 1 représente une coupe schématique réalisée dans un organe. De quel organe s'agit-il? Voilà, lorsque vous observez ce document 1 là, c'est quel organe il s'agit? Quel organe il s'agit? Donc, prenez votre stylo, prenez votre bloc-notes et notez tout ce qui sera dit. Donc, ici, le document 1, c'est l'ovaire. Le document 1, c'est l'ovaire. Parce qu'on voit les différents follicules
à des stades d'évolution différents. Voilà. Donc, pour la question numéro 1, il s'agit de l'ouvert. 2. Annoter le document 1 en reprenant uniquement les lettres et les chiffres. Donc, vous écrivez 2 et vous mettez 1, 2, 3, 4. Et après, maintenant, A, B, C, D, E. Donc, 1. 1, c'est follicule primordial. Follicule primordial. 2. C'est follicule primaire. 2. C'est follicule primaire. 4. On prend 3. C'est follicule tertiaire. Follicule tertiaire ou cavitaire. Et 4. Follicule mûre ou follicule de dégraffe. Maintenant, quand on va prendre A, regardez, A, c'est tout ça là. A, c'est l'ovocyte. L'ovocyte. Si quelqu'un met ovocyte 1, on va l'accorder. Si quelqu'un met ovocyte 2, on va l'accorder. Voilà. Donc, A, c'est l'ovocyte. Maintenant, B, c'est la tête externe. C, c'est la tête interne. D, c'est la granulosa ou cellule folliculaire. E, c'est l'entrume. Voilà, donc c'est la notation du document 1, ça. Donc, en récapitulatif, 1, c'est follicule primordial. 2, c'est follicule primaire. 3, c'est follicule tertiaire ou cavitaire. 4, c'est follicule mûre ou de dégraffe. A, c'est ovocyte 1 ou ovocyte 2. B, c'est la tête externe. C, tête interne. D, granulosa ou cellule folliculaire. E, c'est entrume. Maintenant, 3. Quelle est l'origine de l'élément A du document 1? Voilà. Quelle est l'origine de l'élément A? L'élément A, on a dit que c'est l'ovocyte. Donc, quelle est son origine? Donc, l'origine de l'ovocyte, c'est les cellules germinales ou ovogonies. Donc, quelle est l'origine de l'élément A du document 1? Son origine, c'est les cellules germinales ou ovogonies. Maintenant, B, comment évolue-t-il? Envisagez tous les cas. Comment évolue-t-il? Envisagez tous les cas. Donc là-bas, vous mettez, premier tiret, s'il n'est pas fécondé, il dégénère. Deuxième tiret, s'il est fécondé, il devient un œuf. Donc pour B, comment évolue-t-il quand on prend l'ovocyte 1 ou 2? S'il n'est pas fécondé, il dégénère. S'il est fécondé, il devient un œuf. 4. L'ovocyte 1 est libéré dans la cavité folliculaire peu de temps avant l'ovulation par dissociation des cellules qui l'entourent. Dans cet ovocyte, la première division de la méiose qui était bloquée en prophase reprend, alors pour donner deux cellules. Faites un schéma à noter de la part de cette première division en supposant que la garantie chromosomique est 2n égale à 4. Donc, ici, on demande quoi? De dessiner une cellule, animale à l'anaphase
1. Voilà. C'est l'animal à la phase 1. Donc, voilà notre schéma. Notre schéma. Il y a l'astère ici, membrane, chromosome. Ils ont eu deux égales à 4, non? On doit avoir 4 chromosomes à l'intérieur. Ciseau de division, cytoplasme. Donc, schéma de la cellule en anaphase 1. Donc, tous ces schémas doivent être au bout de vos doigts. Maintenant, pour la question 5, pour la partie B et la partie C, il y a un lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous qui êtes en train de suivre sur votre portable, pour accéder à la description, il suffit de cliquer sur le titre qui est en dessous de la vidéo et vous accédez à la description et vous allez voir le lien. Vous allez voir les liens, il y a plusieurs liens là-bas qui vont vous montrer les corrigés des sujets de l'ENAM. Et si vous suivez ces liens en dessous de la vidéo, n'oubliez pas de mettre bien mettre votre email parce que on va vous envoyer les corrigés par email. Donc je vous dis une fois encore merci pour votre intérêt et je vous donne rendez-vous très très prochainement pour d'autres corrigés dans les jours à venir. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye.